Le niveau 7, surnommé Thalassophobie, est le huitième niveau des Backrooms. Il constitue un obstacle important à l'exploration du niveau 8 et au-delà. Très peu de personnes ont véritablement exploré le niveau 7, mais parmi ce que l'on sait actuellement est que le niveau semble être composé de deux zones, la salle d'entrée et la zone principale. Une vaste étendue d'eau comparable en échelle et en volume à un océan. Hormis la lumière des lampes de plafond de la salle d'entrée, le niveau 7 ne dispose d'aucune source de lumière fixe. Malgré cela, il semble y avoir un éclairage général faible et de sources inconnues dans tout le niveau. Les cris du niveau 6 ne sont pas présents, de même que le bourdonnement des lumières des niveaux précédents. L'eau qui compose la majorité du niveau 7 est distillée, plutôt que d'être de l'eau salée ou de l'eau douce ordinaire. Cette eau est extrêmement froide. Plusieurs sources comparent sa température à celle de l'azote liquide, et les longues périodes d'exposition sont fortement déconseillées. La salle d'entrée semble être le seul point d'accès au niveau 7, se trouvant directement au bas des escaliers du niveau 6. Cette pièce d'entrée est l'une des rares pièces des 9 premiers niveaux à être entièrement meublée, avec une bibliothèque contre l'un des murs, contenant plusieurs livres d'origine inconnue, une petite table basse, une unique chaise et une lampe de plafond fluorescente. Le sol en moquette est recouvert d'une flaque d'eau peu profonde, d'environ 5 cm de profondeur. La seule entrée dans la zone principale est une porte unique située de l'autre côté de la pièce, près de l'escalier. Un détail important à noter est que cette pièce et la zone principale du niveau 7 ont des centres de gravité complètement différents. La porte mentionnée ici s'ouvre pour montrer la surface de la zone principale d'une perspective de haut en bas, depuis le plafond. La pièce est apparemment tournée horizontalement, mais la gravité fait en sorte que les pieds restent sur le sol dans la première pièce. En entrant dans la pièce, la gravité de la zone principale prend immédiatement effet et attire tout ce qui se trouve à proximité de la porte vers la surface de l'eau. Cette gravité est nettement plus forte que la gravité terrestre normale, ce qui rend difficile le fait de rester à flot et de ne pas couler. La zone principale du niveau 7 est composé d'un gigantesque océan qui semble s'étendre à l'infini, et ce, dans toutes les directions. La porte de la salle d'entrée est située sur un point fixe du plafond en béton, qui se trouve à environ 4,5 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Plusieurs îles composées d'une forme inconnue de roches ont été découvertes à la surface de l'eau, à environ 2 km au nord de la porte, la plupart étant inhabitées en raison de leur éloignement. L'océan du niveau 7 est en grande partie inexploré, mais semble être principalement vide sur les 1200 premiers mètres, une zone que nous appellerons désormais la zone de lumière du jour. Comme son nom l'indique, la zone de lumière du jour est la partie la plus lumineuse de l'océan du niveau 7, légèrement moins sombre que la surface. Les niveaux de lumière diminuent progressivement dans la moitié inférieure de la zone de lumière du jour et sont nettement plus faibles à partir d'environ 1,2 et jusqu'à 2 km sous la surface de l'eau, désormais appelée zone crépusculaire. La zone crépusculaire de l'océan de niveau 7 contient des ossements et des débris de métal rouillé, ainsi que les premières observations de squelettes complets. Ces squelettes sont souvent humanoïdes, avec quelques légères différences, comme des mâchoires beaucoup plus grandes, contenant des dents longues et pointues, et l'absence d'orbite pour les yeux. Plusieurs squelettes de grands poissons cryptiques ont également été repérés, certains mesurant jusqu'à 20 mètres de long. On dit que la pression de l'eau est assez forte à ce stade, mais il semble qu'à aucun moment dans l'océan du niveau 7, la pression ne soit assez forte pour écraser un squelette humain. Cependant, les effets d'une exposition à long terme n'ont pas été testés, et il est donc conseillé aux explorateurs désireux de voyager aussi loin ou plus bas de partir le plus rapidement possible. La zone située entre 2 et 6,8 km sous la surface, désormais appelée zone de minuit, est complètement sombre. De nombreux autres squelettes complets ont été trouvés dans cette partie de l'océan, presque entièrement composés des squelettes humanoïdes mentionnés ci-dessus. Des ossements de poissons incroyablement grands ont été aussi signalés dans la zone de minuit, mais les structures squelettiques de ces créatures ont été décrites par les témoins comme incompréhensibles. Toute profondeur située à 7 km ou plus de la surface, désormais appelée les abysses, est considérée comme trop dangereuse pour être explorée.
La plus longue exploration enregistrée dans les abysses a duré environ 1 minute et 45 secondes. Les abysses seraient peuplées de montagnes de goudron et de roches, avec un bouillonnement régulier émanant d'une source inconnue en dessous. Cette zone serait densément peuplée de squelettes humanoïdes mentionnés plus haut, dont la plupart ont été érodés d'une manière ou d'une autre par l'immense pression. On ne sait pas grand-chose d'autre sur ce qu'il se cache dans ces profondeurs, à part les rumeurs concernant l'entrée d'une grotte dans l'une des montagnes sous-marines, qui mènerait au niveau 8. En termes d'entité, le niveau 7 n'en contiendrait qu'une seule. Habitant dans les eaux glacées, la chose du niveau 7 semble avoir tué toute autre vie dans l'océan. Cette créature est à elle seule l'aspect le plus dangereux de la traversée du niveau 7, car son incroyable vitesse de nage, ses capacités de détection et sa force physique la rendent capable de localiser, de se déplacer et d'éviscérer ses victimes en quelques minutes, voire quelques secondes, selon la distance qui la sépare de sa cible. Il est fortement conseillé aux explorateurs d'éviter toute excursion, mais il est recommandé à ceux qui s'y risquent d'apporter une forme de distraction, comme de la viande, afin de gagner du temps pour explorer. La profondeur actuelle du niveau 7 est inconnue en termes exacts, mais les membres du BAS ont déterminé qu'elle était impossible à atteindre d'un point de vue architectural. Des fragments de fibres synthétiques dans la zone de minuit et les abysses suggèrent que le fond de l'océan est tapissé d'une moquette. Colonie et avant-poste. Le fort de la reddition. Un avant-poste sur l'île enregistrée la plus proche, constitué d'un abri construit à l'improviste, composé de meubles cassés maintenus par du goudron. On dit que les habitants se sont consacrés au culte de la chose du niveau 7. Nombre d'habitants, inconnu. On estime cependant leur population entre 4 et 9 personnes. On dit également que la population de l'avant-poste est folle et hostile. Entrée et sortie. La seule entrée connue au niveau 7 est un escalier descendant du niveau 6, qui mène directement à la salle d'entrée. Il y a cependant des rumeurs d'une entrée possible par une flaque d'eau sur le sol du niveau 6. La seule sortie connue est une sortie sous-marine ayant la forme de l'entrée d'une grotte située quelque part sur le flanc d'une montagne, à environ 7 km sous la surface de l'océan. Cette entrée mène au niveau 8. Il est important de noter qu'il n'y a pas de moyen clair de retourner au niveau 7 depuis le niveau 8 ou tout autre niveau. Ceci conclut le rapport de ce niveau. Si vous voulez en savoir plus sur le monde des backrooms, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Nous avons également un Discord tentant de rassembler la communauté française des backrooms. Vous trouverez le lien en description. Comme d'habitude, le rapport original en anglais ainsi que la musique de fond se trouveront en description. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.